toujours sur Radio Kiskeya ou à suivre Journal 4A. Journal 4A n'a présenté depuis studio Bertrand Pierre-Louis. N'a venu quoi elle est là avec un dossier ça qui a fait scandale et sous réseaux sociaux et qui concernait directeur général ONM non monsieur Eudes Lajoie. Et Eudes Lajoie qui était recevoir une équipe radio acte le Kiskeya dans bureau aujourd'hui dans rue Villemené mais pas de voulait by interview enregistrée parler donc complot que le victime dit d'abord il perdit téléphone ni ça a gagné environ 3 mois. Li quoi c'est un militant relé Luckner Janvier li accusé qui t'a prend téléphone non et li dit li toujours à recevoir menace pour le bail l'argent go gen moun ki t'a rançonné li dit yo konn parler avec sous nom chef gang village de Dieu relé Arnel d'après ça le dit équipe toi toujours li fait connait li t'a porté une plainte dans DCPJ lundi passé li précisé tout. Il était rencontré avec directeur général police nationale là, Michel-Ange Déon, commissaire gouvernement Port-au-Prince, Oknam Clamé d'Améus, et puis avec secrétaire d'État sécurité publique là, d'après ça est précisé. Et donc dit pas de vle baille interview, mais il était fait déclaration ça devant équipe radio avec Télé Kiskeya qui était allé dans bureau journée jeudi à concernant scandale ça. Ministre communication et culture dans gouvernement Guilherme Sedelva de déposer question sous dossier ça faire connait pas aucun commentaire sous vidéo ça qui a circulé et qui viral pratiquement et sous réseaux sociaux yo et depuis weekend qui s'est passé là qui concerne directeur général ONM là Eudes Lajoie et qui sont gros bois dans parti qui sont pouvoir tête calé qui proche et président responsable a précisé dossier ça pas gain rien pour ouais n'a cité acte fonction monsieur Lajoie a rempli dans tête ONM non et office national migration et n'a tendé directeur exécutif RNDDH là monsieur Pierre Espérance condamné comportement directeur ONM non et il rappelle c'est pas première fois mon qui n'a pouvoir tête calé yo gain genre de comportement scandaleux ça yo li mandé pour gouvernement prendre une décision. N'attend le directeur exécutif RNDDH là monsieur Pierre Espérance dans micro Ketia Jean-Pierre Tello. Ça fait deuxième fois ça arrivé sous équipe qui sous pouvoir. En 2017, c'est gagné un responsable dans le ministère éducation nationale qui était dans une situation presque comme ça. En 2018 là, c'est directeur ONM qui sont mon qui en pile accusation sous doli dans comportement qui vient dans l'institution ça et harcèlement qu'elle a fait sous des employés des violences qu'elle fait sous employés en pile dénonciation reportage fait mais elle est toujours et n'importe mon pas pas besoin de côté plein dans souci parquet et qui là qui c'est et commissaire gouvernement yo yo là pour protéger société à contre des actes ça yo et nous espérer que va mettre en action et public en mouvement contre et directeur ONM. Est-ce que vous pensez que de la joie t'a dû remettre démission dans tête ONM? Moi pense que autorité qui te mettait un pouvoir nomination yo te dû retirer depuis longtemps par rapport et comportement violent et gain dans tête institution ça avec sa crivière là et bon ouais des explications là tant de bail bon et nous regarder des comportements autorité qui ça de violation droit moun action ça gain là-dedans l'en garder nous c'est sous téléphone privé lité tout ça nous relé atteinte à la privée tout parce que même sous gain téléphone et avec la technologie ce n'est pas n'importe bagaille qu'on est capable de mettre sous téléphone. Mon mes amis, il y a un monde capable d'occuper une fonction comme ça dans l'État, dans un poste directeur général. Et puis pour c'est ça pour contenter ou quoi faire, c'est ça qu'on fait. Non, mais c'est un bagaille qui est extrêmement grave. Directeur exécutif RNDDH, M. Pierre Espérance, en sous-dossier directeur. ONM non, monsieur Eudes Lajoie qui fait connaître en contrat toute autorité et qui gagne, il était porté plainte devant DCPJ parce que d'estimer que les victimes
et de persécution de monde qui a rançonné et li accusé yon monde yo le Luc Ner Janvier dit un militant qui te prend téléphone il t'est perdu depuis 3 mois donc en quelque sorte il t'a reconnaître et que c'est effectivement li t'a gagné vidéo à sous téléphone puis il dit téléphone il t'est perdu depuis 3 mois et il dit rencontré directeur général police non et Michel Ange Deon, lui rencontre à commissaire gouvernement Port-au-Prince, Octam Clamé d'Améris, et secrétaire d'État sécurité publique, là, on s'en Saint-Cyr, sans que le pas dit de qui ça l'était parlé à Kyo, ni qui ça qui sorti dans rencontre ça concernant dossier là. Faut que nous dit monsieur Eud la joie, gain en pile difficulté, il était éprouvé pendant dernier mois, ça yo, c'est pratiquement presque chaque jour, t'es gain manifestation devant bureau ONM, non? Une série d'employés qui t'a contesté autorité et qui t'a dénoncé abus que dit que t'es fait de autorité ça les que tout le monde qui t'a contesté il t'a parlé des punitions très sévères tant que par exemple déporter aller dans un département qui bien loin sans que pas grand quelle mesure accompagnement et pour employer ça yo mais tout ça pas de breeding rien dans ça qui concernait place li puisque il était toujours été dans place li. Il y a des lettres de répondre, il y a des lettres pas de répondre dans micro radio Kiskeya concernant diverses accusations qui étaient faites contre lui, les que il était non véritable bras de fer avec plusieurs dans employés yo. N'a faut premier campé. Ministre culture et communication Guilherme Delva qui était parlé comme ça dans micro Renal Guerrier. Pour monsieur Lajoie, bah pour qu'il soit posé une question ça, bah vous même t'as imaginé mon bagage ni pour me dire tout ça ni pour me voir dans ça, c'est à dire ça me bagage absolument aucun commentaire parce que ça pas rien pour le avec en question de gouvernance, en question de pour le avec fonction ni que mon a occupé ni que ni ça m'occupe à donc de la situation même bagage là. C'est ministre culture communication Guilherme Sedelva, mais n'a pas rappelé que tu as un directeur général ministère de l'Éducation nationale qui t'a perdu le job li, parce que tu as une question vidéo, même j'ai un tout qui t'a circulé sur Internet, nous changer. Et tu es obligé ou bien démissionner ou bien tu es démissionné. Et concernant le dossier, ça, réaction organisation Cap Défendre Douamoun, directeur et défenseur plus non, Antonal Mortimé, et qui réagit sous vidéo ça qui viral, nous dit sur réseau. Social yo depuis week-end non et côté ouais directeur ONM non eux de la joie donc quoi peuple la compte dit Dieu seul me voit et d'après Antonal Mortimé c'est depuis gouvernement tête qu'à les premières versions arrivé dans tête pays a ouais au conseil de monde gain moralité douteuse qui arrivé dans gouvernement ça Antonal Mortimé fait qu'on est faut que société a fait attention faut qu'il très veillatif pour pas prendre et genre de distraction ça pas prendre là-dedans yo parce que en même temps tout ces diversions et qui pour faire l'oublier problème qui est dans chapant pays a pour capable pas concentrer sur yo et d'après ça le préciser défenseur droit monde nan et parler de qualité zak sa yo c'est un zak société a li dit doit condamner sans garder derrière et n'attend des responsables défenseur plus là Antonal Mortimé dans micro Amos Breville. Au niveau défenseur plus, depuis arrivé administration Moïse Lafontaine dans ses pouvoirs, même j'ai avec pouvoir, c'est qu'à les premières versions, hein, donc on sort de situation amorale dans tout l'État. Donc c'est une institution importante dans le pays, hein, c'est des mondes qui l'a d'ailleurs, c'est des mondes qui clament public dénoncé, soit comme des mondes qui violent, soit comme des mondes qui n'ont question inceste, ou bien encore des mondes qui ont gaspillé l'argent de l'État. Je pense que nous continuons à vivre des événements, des mondes qui autorisent ou bien cadre des autorités morales, mais il y a seulement c'est des gens qui occupent des fonctions, qui gaspillent l'argent de l'État. Donc, moi, je pense que c'est une question de la même machination de dévalorisation des postes dans l'État. Si ça s'attend à la vie, oui, tout bagaille, tout est open, que tout le monde ne peut pas dire ou bien l'autre monde ne peut pas dire ouais, c'est des bagailles que la société a condamnées et il paraît à être au bon mètre et atteinte à la vie. Bon, d'abord, faut nous dire, c'est pas vous qui avez l'information ça d'ailleurs. C'est ça qui capable de commencer à parler des violations à la vie privée, monde qui concerné. Ça, c'est le premier élément de souligner. Quand il y a qui c'est voulu, qui c'est pas voulu, ça capable de nuisir pour tout le monde dans la société, pour la jeunesse, qui déjà en jeunesse extravertie, qui déjà en jeunesse acculturée, qui déjà en
jeunesse, certaines fois, question valeur morale, ça capable d'entraîner violation. Et Antoine Almonti, il y a des gens qui parlent en forme de distraction, ils ont cherché la société pour capable de faire des dossiers qui sont importants. Et comment comprendre ça vous-même? Nous-mêmes, au niveau défenseur, plus, il y a certains dossiers qui ne peuvent pas réagir. Oui, nous ne pas réagir. Parce que nous trouvons que nous sommes prioritaires, que c'est des problèmes sérieux. Et ces problèmes sérieux, certaines fois, vous nous abordez d'abord avant de nous aborder problèmes qu'on a sérieux. Effectivement, moi, quoi, dans l'administration de l'État, il y a plus de monde qui font dans ça, dans diversion, pour détourner l'attention publique ou de la population, pour obéir des sujets préoccupants. Ouais, tant qu'on question fatrée, qu'a fait mon gagne en Port-au-Prince, tant qu'on question grand goût, tant qu'on question qui gaz n'a pas le monde, tant qu'on plus de monde qui est en prison, par exemple, jugé, tant qu'on l'année qui a marché et qui a plusieurs côtés dans le pays, hein. On pas qu'être le problème. Ministre, là, qui pas moyen, qui des fois, qui des appareils idéologiques qui a réfléchi pour faire briller, on dirait des problèmes, pour faire briller, par exemple, Pétro-Caribé, pour faire briller, et l'agent de l'Empadio qui a fillé, pour faire briller, l'agent FN, le Fonds National Éducation, il y a un contact au diaspora, il y a un contact au appel téléphone, moi, et téléphone, l'autre monde qui attendait là, il y a envie de faire briller ça, et puis, il y a envie de rien, non. Faut que c'est vigilant, c'est-à-dire, faut qu'on vigilance citoyenne pour pas quitter des dossiers prioritaires, pour nous concentrer sur les dossiers conjoncturels, qui lient avec comportement des mises, certaines fois, des mondes qui semblent qu'il y a des problèmes matériaux, bien qu'à moral, tout, qu'il y a des comportements, et la société t'a de condamner. Oui, c'était Antoine Almortimé, une responsable organisation qui a défendu Amoun Défenseur Plus. Beaucoup de pas. Feet forward and enjoy the ride. Okay, dearie, this does look fun. Wee-oh, you've melted me. I've melted. The Wicked Witch of the West on a water slide? Surprising. What's not surprising? How much you could save by switching to Geico. See what you've done. Oh! Geico. 15 minutes could save you 15% or more. Nan mi tan aktualite a, mem. Randevou Neve, soti lendi rive samdi a Neve nan aswe sou Tele Kiskeya. Parate! 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 Eroito! Eti! L'art, la culture, l'histoire, c'est nom you pep. Yon pep ki pedi sa, li pedi nanm ni. Radio Kiskeya ki konn sa, ki wè sa, li di, fè papye l'histoire pou al déployer. La déployer depi lundi rive jeudi, de 10h à 11h30 di matin, chak jou. Fè papye l'histoire pou al déployer avec petit fè, tout zorey, triboy a babo, mette ou en pente, depi 10h a fè bang, sou Radio Kiskeya, fè papye l'histoire pou al déployer avec petite feuille. Pour un débat en profondeur où la langue de bois est bannie d'avance, suivez l'émission Intérêt public. Intérêt public, c'est un rendez-vous hebdomadaire avec Liliane. Le saviez-vous? Tous les sujets sont d'intérêt public. L'émission Intérêt public, diffusée le dimanche à 8h, reprise le mercredi à la même heure et le jeudi à 8h p.m. est patronné par Nissan Frontier, Alternative Insurance Company AIC, BNC, Crédit Énergie BNC, qui vient aider au mettre courant la caillou, ak ceci. La presse qui parle passe pour qui? C'est GPI, c'est voile, c'est oreille, tout pour informer li comme ça doit sous toute bagaille. Présence la presse, c'est plus bon garantie pour nous toutes. Les la presse menacée, c'est toute démocratie qui est en danger. Liberté youn pour parler, c'est liberté nous toutes pour nous parler. Vive Liberté la presse. Digicel ak Audio Now menen yon servis tou nef pou pèmèt ou tande Kiskeya nenpòt ki bò an Ayiti sou telefòn. Fè 7630 pou koute Kiskeya nenpòt ki bò nan peyi a. Abone Digicel yo, fè 7630. Abone lòt kompani yo, fè 2815 7630 pou koute Kiskeya nenpòt ki bò nan peyi a.
thème à condition applicable. Yo essayé définir, yo essayé fini avec moi, yo essayé dépa fini. Kiskeya c'est une ligne, n'a kembe tête pour tête, tek tege dek, sans quoi dek. Kiskeya c'est une énergie, nous investis et nous partageons à la one bade. Kiskeya c'est une conviction, nous capables bataille pour droit moun ak démocratie dans respect youn pou lot. Kiskeya c'est pao et n'a toujours rete pao. D'abord, nous allons prendre un dernier nouvel temps. Unité Hydro-Météo a préparé pour nous. Christette, déjà prêt. Bonsoir, Christette. Bonsoir pour Liliane. Bonsoir, Wilson. Bonsoir, tout l'équipe. Bonsoir, la petite nous saluons de chaque. C'est toujours un devoir pour nous continuer à informer la situation météo qui concerne les zones Caraïbes, Black Sea, Atlantique. Nous avons toujours gagné un sens de haute pression qui est même autour de collé sous Atlantique. Là. C'est lui-même qui toujours a dominé la situation grande Antilles. Ça qui fait nous temps lui-même qui encore gagne vent, gagne soleil encore présent, gagne nuage qui a développé, gagne nuage encore poisson. Il y a possibilité si activité la pluie sous certains endroits dans le département de l'eau pour à soya. Pour Port-au-Prince, en zone qui entoure nous gagne même situation autour de Port-au-Prince. Il y a un temps qui gagne un vent cap soufflé, des nuages cap développé, et des soleils qui n'ont pas allé à tout, et donc déjà fait chaud. Pour température, il y a pu tomber dans l'outland jusqu'à 22 degrés Celsius, qui était visé dans la journée, à 34 degrés Celsius. Pour la mer, nous m'a dévoilé aussi autour de zone côte nord, pour y éviter la mer, par rapport avec un vague qui montait jusqu'à 9 pieds, et puis vent lui-même qui a soufflé la direction est pour juste 25 minutes dans la mer, lui mauvais en pile. Pour Golfe Lagona, dans la zone côte sud, nous recommandons en pile prudence, en pile vigilance. Soleil dans lui-même l'a couché à 7h15 pour le lever matin à 6h13. Cela nous était un beau temps d'informations météorologiques. Il y a encore un remerciement très spécial à nous-mêmes, Liliane, où elles sont nous-mêmes capables de manœuvres techniques, auditoires Radio Kiskeya. Je vous souhaite une passion favorable. Chers abonnés, avec une excellente semaine positive. Rendez-vous pas maintenant, c'est pour demain. Bonne fin d'après-midi, Liliane. Merci, Christine. À demain. Merci, Liliane. Oui, gros point d'actualité, c'est mesure qui prend selon doyen tribunal civil Port-au-Prince juge Bernard Saint-Ville toute une série de dispositions dans le tribunal pour permettre bataille contre détention préventive pour nous. J'avais dit monde qui ferme dans prison pas jamais passer devant juge naturel et pour monde ça capable aller devant juge yo. Selon juge Bernard Saint-Ville, il fait qu'on ait une décision pour yo et pour augmenter quantité audience qui a fait chaque jour pour permettre juge yo tendre plus et affaires et plus monde qui en affaire avec la justice. C'était occasion tout pour doit un tribunal civil Port-au-Prince non mander la police la mener opération pour le faire de façon plus professionnelle parce que en pile fois la majorité arrestation qui fait le juge la capale, il y a un pile innocent. Il prend, il le bourré dans la prison et c'est eux même qui le payé pour coupable. Parce que le dossier n'est pas bien fait. Juge Bernard Saint-Ville et fait qu'on est prêt à gagner un jugement, assise criminelle et assistance avec assistant jury ou bien sans jury qui a commencé dans le mois de juillet qui a venu là. N'attendez doyen tribunal civil Port-au-Prince, juge Bernard Saint-Ville. Yon interview exclusive di bay Radio Kiskeya nan micro collaborateur nou Emmanuel Tolem Brina.
Depuis quelques temps, ouais, nous commençons à nous multiplier le nombre d'audiences. Bah, nous, ouais, détention préventive là, nous déjà augmenté. Mm-hmm. Nous même tout faut que nous multiplier audience, nous intensifier au même. C'est ça qu'il faut qu'à ouais, nous commencer faire audience même le samedi. Samedi dernier, à cause de cette incentive, des gains mais incentive. Nous pas cacher, mais samedi d'avant, nous des gains 15 affaires, nous étions de là, des gains 5 salles d'audience qui ont fonctionné samedi avant. Nous une situation grave, ça veut dire nous obligé augmenter audience. En plus de audience, nous gagnons chaque jour avec des correctionnels et criminels. Sans assistant du jury, nous obligé faire des audiences correctionnelles le samedi pour nous capables d'évacuer un nombre de dossiers. Mais c'est qui ça qui explique le phénomène ça, phénomène de détention préventive prolongée, lorsque nous connaissons que nous-mêmes dans le secteur judiciaire là, nous touchons le problème. Donc, premier standard du dossier n'est pas traité en temps réel. Par le tribunal, avant tout, il faut que tu aies traité le dossier en temps réel. Par le premier handicap là. Deuxième bagaille, nombre de monde va blaguer chaque jour. Il faut qu'il soit proportionnel avec sa cap entrée, son prison. Il faut qu'il y ait entrée, il faut qu'il y ait cap sortie. C'est ça que fait nous dire détention vraiment si volontaire, on a pas d'accueil, on a d'accueil sur deux. Un fond prend conjoncturel, là, puis fond prend structurel. Conjoncturel, ça veut dire, monde qui vient, il faut juger le même jour. C'est ça que fait nous obliger d'instituer en permanence dans le niveau cabinet d'instruction. Côté nous, il y a chaque jour trois juges qui de service. Nous demandons par cœur, en nous faisant effort, ça veut dire nous connaissons OPJA, officier de police judiciaire là. Les gains des pouvoirs exorbitants, c'est seulement en situation exceptionnelle, ça veut dire les flagrants délits. Nous disons par cœur, en appliquant la loi dans toute sa rigueur. Ça veut dire, dossier à l'heure, commissaire gouvernement, saisi de lui-même en vertu des principes d'opportunité de la poursuite là, qu'il faut traiter le même jour. Si mon son dossier soit placé sans suite, ou placé sans suite, soit plagué ou la gueule, soit brûlé le correctionnel, le même jour tout, en appliquant la loi 6 mai 1927, qui prévoit comparution immédiate, soit brûlé le cabinet d'instruction, la loi 200 délai, qu'on brûle, le sapin n'est pas obligé d'émettre un mandat de dépôt à l'encontre de monde qu'il recevoir. Le même jour, nous avons toujours au moins trois juges chaque jour qui sont disponibles en permanence. Soit pour le cabinet, faire le même jour escalier à tout fait, comme tribunal là avec paquet dans le même bâtiment. Parce que, imaginons, le monde arrivé devant le cabinet d'instruction, il y a un état de mandat d'amener. Ça veut dire pas rien qui empêchait le juge d'instruction. Il a autorisé le monde à rentrer là par lui. Un, si ça ne fait pas trop grave. Deux, si le monde a présenté des garanties de représentation. Et le juge d'instruction dans le même jour, capable d'autoriser l'entrée, si ce n'est pas trop grave. Mais là, ça aussi, juge d'instruction à la mener enquête. Il y a une possibilité pour le faire au moins trois actes d'instruction le même jour. Il est capable de tendre inculpé à lui faire interrogatoire de première comparution. Il est capable d'auditionner témoin à tout vaille, victime dans tout l'autre, attendre le pouvoir, ou tendre de son poche. Si ça nécessite vous faire une confrontation, juge d'instruction est capable de conseiller de confrontation, côté non-jour, il tendre tout le monde à le confronter pour le côté vérité. Interview exclusive, juge et Bernard Saint-Ville. Bye Radio Kiskeya. Une autre interview, il était dans micro collaborateur nous, Emmanuel Tolembrina. Une autre interview exclusive, tout et une autre responsable dans le domaine justice dans OCAP haïtien. Et c'est correspondant nous, Gérard Maxino, et qui rencontrait avec le commissaire Ferné Charles Saint-Just. Mais tout profiter, saluer tout pour nous. Au Cap, à Nord Cap Tandem, et sous Radio Sans Souci FM, et commissaire gouvernement au Cap, là, Maître Ferné Charles Saint-Just. Dans interview exclusive, Libye Radio Kiskeya, dit un juge instruction qui sous dossier, l'homme tragique Jacques Dubois, et nous connectons dans un incident grave qui est arrivé, et dans occasion conférence débat sous dossier Petro-Caribéen, sénateur. Et Yuri la torture avec sénateur Jacques Sauveur Jean étape animée et lui fait connaître que dossier a transféré et d'après ça le fait connaître depuis la date 2 mai qui s'est passé là dans cabinet d'instruction selon commissaire gouvernement qui fait connaître action publique te mettait en mouvement mais il dit pas il pas recevoir plainte il parlait de trois mandats la police lancé dans cadre dossier ça côté ta derrière pour te faire arrestation mais pas arrivé joindre monde était parti derrière. Donc, famille Jacques Dubois lui-même, li non double peine, et il fin perdu, et puis il y a une difficulté pour enterrement. Enterrement fixé demain, animateur culturel là, il a dû enterrer demain dans au Cap haïtien, enterrement à chanter. Cependant, il y a un gros doute concernant date enterrement, parce que jusqu'à présent, Koa sous compte l'État. Et ça veut dire, posons scellé que pour qu'on lève, qui t'a exigé tes deux autopsies. Commissaire gouvernement au Cap, l'interview exclusive dans micro collaborateur non correspondant non dans Nord Gérard Maxino.
Monsieur le commissaire, dans qui prend que dossier Jacques Dubois? Bon, et dossier ça, il est enregistré dans paquet à numéro 505-0018. Nous voyons il dans paquet depuis 2 mai 2018. Tu y a des arrestations qui faites dans quatre dossiers? Nous te mettre mandat, trois mandats, et malheureusement, lorsque la police judiciaire, la police en général mobilisée pour arrêter Mounsayo, qui était déjà pris refuge dans le nord-est, et la police pas qu'elle mette mes sur yo prend refuge en République dominicaine. Donc jusqu'à présent, Mbakadou, qui s'agit d'institution, est-ce que moun ke li arrêté, mais dans niveau pas m'pas gen temps faire arrestation puisque délai a été contre moi. Donc pas gen blocage dans dossier ça. Non, pas gen blocage puisque li nan ka nous mettre l'action publique en mouvement, juge d'instruction a travail. Donc pas gen blocage. Et alors gen vidéo, dans vidéo a gen des moun ki te gen comportement suspect, nous mettre mandat derrière moun sa yo. Donc puisque enquête là li c'est droit, l'enquête est secrète. Est-ce que moun nan moun yo prend la fuite là, c'est ou même des mandat derrière yo? M'pa répondre question pour qui ça? Si alors si ba reconnaissez ou même, donc si m'ba non m'a fait moun prend la fuite, m'a dit non yo. Mais pour qui ça la justice mettez scellé poser scellé sous cadavre? Bon, qui te dit que moins informé par la police que gon événement qui produit, moins rivé sur les lieux 30 minutes après l'homme rivé joine en dedans té gen temps lavé yo passé mob gen musique k'ap joué immédiatement moins quitté endroit moins aller dans urgence service d'urgence l'hôpital là yo dit me gagné 9 moun qui té prend gaz c'est ça yo dit moi nan moun yo gen yon qui mouri. Donc étant donné que moi même responsable l'ordre public moins responsable pour que moins arrêté mettre dans prison et juger tout le monde qui a fait ça qui mal l'homme rivé moins mandé mogla pour pas délivrer cadavre là à quiconque et sans autorisation pas. Voilà, c'est commissaire gouvernement au Cap Haïtien, commissaire Ferné Charles Saint-Just, dans micro correspondant dans Nord Gérard Maxino. Nous songe tragédie ça qui t'est passé dans café Trio dans au Cap Haïtien dans moment sénateur leader AAA et sénateur La Tortue avec sénateur Sauveur Jean et a fait une conférence débat sur dossier Petro-Caribéen. Moun n'a pas arrivé identifié, te voyé gaz lacrymogène dans salle là te fermé porte et c'est dans bousculade qui doit t'a perdu la vie. Et jusqu'à présent pas gain aucune arrestation qui fait dans dossier ça. Radio Kiskeya apprend que quelques changements qui fait dans trois directions et dans et police non et dans trois départements et sud-est, Grand-Est et Plateau Central. Commissaire divisionnaire Marc André Cadostin, c'est lui qui vient nouveau directeur police dans le département sud-est, lit dans Plateau Central, donc il transféré. Commissaire divisionnaire Jean-Alex Pierre Louis vin nouveau directeur police là dans département Grand-Anse, alors que Jean-Michel Chout c'est lui-même qui nouveau responsable police désormais dans Plateau Central. Changement ça a fait d'après directeur général police Nord Michel-Ange Gédéon et dans communication avec salle des nouvelles nous dans objectif d'après ça dit pour capable corriger toute mesure sécurité et que direction police là apprend dans région ça trois départements ça yo une façon pour croiper phénomène insécurité qui sorti pour blayer pour tailler banda dans zone ça.